les machines à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. C'est vrai qu'avec son Zohra, mais ils n'ont jamais été mis au point officiellement ces trucs-là. Il y en a eu 3-4 qui sont sortis et il a toujours su la vipère et toujours chez Zohra. Hein. Voilà, je l'ai appelé cette semaine, lui, Malric. Ouais. Parce que le jour qu'il est venu au Vélodrome là, pour le record du monde, c'est lui qui était l'officiel, donc il m'a dit faut qu'on se voit, faut qu'on s'appelle. Donc, je l'ai rappelé parce qu'il rappelait pour qu'il aille au Portugal pour son boulot. Ouais. Et en fin de compte, il a un de ses copains qui veut construire un vélomobile et puis il a besoin de pièces. Quoi. Alors, il est à peu près à la mi-course, 25-52, voilà. Le volant et tous les autres.
craqué. Ça a craqué là. Thank you.
vous manquez d'air. Ça donne toujours tout le monde. La grande tablée. Ça bascule là et puis... Ah les Gaëtans! Ah les Gaëtans! C'est là qu'il fait mal. Une fois qu'on est passé la bagnole, après c'est un petit peu mieux. Bah ça c'est celui pas tu. Ah là ça fait mal. Ça fait un terrible. Ah ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est impressionnant. Les autres sont loin derrière. Voilà, ils vont plonger sur Marigny là, tout de suite. Bah, nous on va passer l'arrivée avec eux et on va aller se mettre faire le tour par derrière. La Marigny est à moins d'un kilomètre. Il faut encore les faire. Et là ils ont plus de bagnole après. Thank you.
fait chier dans les bosses, c'est pour faire le temps. Avec le plaisir, il est là. C'est la dernière avant Marigny. Ah, il est très très dur. Il y a beaucoup de vernance et beaucoup de vide. C'est pas un parcours fait pour les vélos. Oui. Non. Changement de direction. Combien ils sont 54. Ça fait que de descendre quasiment. Ouais. Ah, puis là ils vont se retrouver, il faut qu'ils dépassent là maintenant, parce que sinon ils se trouvent dans le bourg avec les bagnoles. Ça va être chaud. Maintenant il n'y a plus de voiture après le bourg. Ouais, après le bourg, normalement ils nous font sortir. Ça.
il y en a qui vont jusqu'au bout. Hein. Ouais, il y a des voitures chieuses avant vous, mais on va faire un bout. Hein. Minutes ça fera une heure. D'accord, c'est pas 26. Et il reste 10 bornes. 10 sur 11 à peu près. Quoi. De virage dangereux pour la descente, donc je sais pas, même si ça va très vite, celle-là elle doit s'arrêter dans l'eau du maïs là. C'est déjà moins dur là, tout de suite après la quille, ça nous paraît moins dur à nous, mais quand t'es dur, c'est dur, et puis ça brûle et brûle et brûle, et puis d'abord ça bascule là. C'est toujours facile. Thank you.
litres d'eau. Ah, je crois qu'il l'attend. T'as pas la puce. Ça cause, hein. Je crois pas qu'il va avoir faim. Il va pas nous manquer grand chose, il va nous manquer quoi, un kilomètre, non, 500. Je pensais qu'on avait dévié avant. Bah oui, normalement, il nous déviait dans la montée. Ouais. Après, où il avait cassé la chaîne l'année. C'est vrai que j'ai vu les voitures sur eux, s'il vous plaît, carrément, de l'autre côté. Ouais. On les a rattrapés. Le mieux c'est d'arriver contre côte. Hein. Il y en a toujours un l'année dernière, c'est Gaëtan qui a attendu, cette année c'est ce que je crois qu'attend. Bien débrouillé. Ouais, bah il est parti de chez lui si tu veux. Il est avec moi le jeudi matin à la livraison des vélos donc à l'usine à Drontaine. Ouais. Il est parti à 10h pour descendre à Paris. Ouais. En vélo. Hein. Il est descendu en vélo. Ah ouais, il est descendu avec son DF. Il part du Paris-Brest. Ouais, ouais, il fait son Paris-Brest. Il remonte de Paris à Mechmelen pour faire le en vélo. Il fait son championnat du monde et là il a quand même pris le camion pour rentrer. Mais t'as des mecs qui sont. C'est des bêtes, hein. Ah, regarde.
50. Il reste plus que 5 minutes pour faire les 3 derniers kilomètres. Ça va être juste, juste. Mais ça va aller très très vite là quand ça va basculer. Une minute.